Une entrée chic pour bluffer vos invités. On va commencer par éplucher un concombre. Ensuite, je vais venir le tailler en tronçons, puis en tranches de 5 mm. J'enlève le cœur en l'évidant. Je taille des bâtonnets, puis des petits cubes que l'on appelle une brunoise. Je sale ma brunoise de concombre pour la laisser dégorger, pour lui faire rendre son eau, et je la réserve de côté. Pour la mayonnaise, un grand bol dans lequel j'ajoute un jaune d'œuf. J'ajoute mon sel, la moutarde, le piment d'Espelette. Je mélange pour bien dissoudre mon sel. J'ajoute progressivement mon huile d'olive. Je mélange jusqu'à obtenir une mayonnaise bien ferme. Dans ma mayonnaise, j'ajoute maintenant le réfort, quelques gouttes de vinaigre de Xérès. Je sépare ma mayonnaise en deux. Une moitié me servira à assaisonner mon concombre. L'autre moitié que je détends avec un peu d'eau pour réaliser la sauce. Sur une plaque antiadhérente ou sur un tapis de cuisson, je viens poser une empreinte ou un cercle et je dispose à l'intérieur du parmesan râpé. Je cuis mes tuiles dans un four chaud à 200 degrés, 4 à 5 minutes. J'égoutte les dés de concombre que j'avais réservés de côté. Je les ajoute ensuite à la mayonnaise. Je mélange délicatement. Dans un cercle, sur une assiette, je dresse ma brunoise de concombre. Dessus, je viens déposer mon saumon fumé en essayant de lui garder le maximum de volume. J'enlève mon cercle délicatement. Je viens prendre mes chips de parmesan et je décore entre les deux avec quelques pluches d'aneth. Autour, vous pouvez rajouter la mayonnaise détendue et un peu de piment d'Espelette. Une entrée chic qui va à coup sûr épater vos amis.